Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai reçu ce petit ampli de Woodbrass, l'Aero 8 V2, qui est un petit ampli que je vais tester aujourd'hui. Alors c'est un ampli compact et léger comme on peut le voir. Il fait 3 kg, les finitions sont très correctes et il peut se porter grâce à une sangle qui est fournie avec. Sur la face arrière, on va retrouver la connexion au secteur avec un transfo qui lui aussi est fourni. On a un interrupteur on-off. Et puis on va aussi avoir une petite trappe pour mettre les piles. Sur le dessus, on retrouve une entrée jack. On retrouve une sortie casque et une entrée auxiliaire. On a un égaliseur 3 bandes. On a un sélecteur pour sélectionner les différents types d'ampli, un bouton de gain et un bouton de volume. On va passer à l'essai. Voilà pour le son clair. Là, j'étais sur le canal crunch avec un gain à midi. On mettait un son avec une bonne saturation. On a aussi un multi-effet intégré, ça c'est très intéressant, avec phaser, flanger, délai, reverb, trémolo. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit Eagleton? Ben, c'est un petit ampli qui est bien pour travailler à la maison, que ce soit pour débuter, pour emporter quand on veut travailler un peu partout, un ampli de voyage qui est très pratique parce qu'on peut l'utiliser avec des piles. Ensuite, bon, on n'a pas un volume énorme, on a un ampli 8 watts, mais c'est largement suffisant pour travailler ou pour jouer en duo. En tout cas, pour le tarif auquel il est proposé, on est sur quelque chose de bien sympa. Donc, je vous donne rendez-vous sur le site de Woodbrass, et puis avec moi aussi pour un prochain test si c'est possible. Allez!